Même là à Las Vegas, dis donc. Quelle chaleur, on dirait qu'on est en Guadeloupe. Basket à 9 ans, et en fait à 9 ans, donc en poussin, quand j'ai eu 15 ans, dans mon club à Sarcelles, on m'a dit tiens, ce serait bien que tu prennes le sifflet parce que il nous manque des arbitres pour arbitrer les vétérans qui jouent l'équipe réserve qui joue le dimanche. Bon. Pourquoi pas? Gilles Mazungu, qui était un des arbitres de mon club, a commencé à me donner un sifflet, et puis je l'ai vu arbitrer lui. Puis j'ai bien aimé la façon dont il donnait les coups de sifflet. Au final, j'ai essayé, et du haut de mes 15 ans, j'ai dit tiens, les seniors quand même, ils arrêtent de jouer quand moi je siffle. J'ai trouvé ça bien. Et puis j'ai pris le code de jeu, le règlement de jeu, j'ai tourné les pages. J'ai vu les dessins, donc j'ai imité les images. Je me suis mis devant un miroir, et puis j'ai commencé à faire des signaux. Ça m'a plu, je suis retourné sur le terrain avec les signaux en plus, ce que je faisais pas au début. Et puis je me suis rendu compte que c'était un langage compris, donc universel. Et puis ça m'a plu, puis j'ai passé l'examen une première fois. Donc je suis devenu arbitre stagiaire. Après je suis passé arbitre départemental. Et puis tous les deux ans j'avais un examen, donc voilà. Le déclic, c'est que quand tu t'aperçois que tu te dis allez, je vais essayer de voir le niveau supérieur. Quand tu t'aperçois que ça passe et que ça marche et que toutes les portes s'ouvrent, bah, tu te dis bah, je vais aller voir le niveau encore supérieur. Et donc je me suis pas arrêté parce que au fur et à mesure, bah, les portes s'ouvraient et puis j'y arrivais, quoi. Je me suis dit je serai jamais joueur de basket parce que j'avais fait quand même. J'avais fait des courriers pour rentrer dans les centres de formation. Donc j'avais envoyé à Limoges, j'avais envoyé à Paris, c'était pas le Wallon, c'était Paris simplement. Il y avait trois clubs, je ne sais plus quel était le dernier. Il y en a un seul qui avait répondu pour faire un test. Bon, j'ai pas senti une vraie envie ou une vraie motivation. Alors finalement j'ai dit allez, je laisse tomber. En Europe, on a un basket plutôt déséquilibré par rapport au niveau. En NBA, sur le championnat NBA, la majorité des équipes sont à peu près similaires avec des joueurs majeurs et puis une technique de basket qui est quasi similaire. En Europe, on a beaucoup de différences dans le niveau de jeu, donc on se rapproche pas. Les règles sont un petit peu différentes. Il y a beaucoup plus de tolérance sur certaines choses. Si je prends des exemples, le marché par exemple NBA, c'est pas le marché qu'on a en Europe. Les appuis, c'est pas la même chose. La faute antisportive, et là je prends vraiment les exemples les plus flagrants, eux ils disent faute flagrante sur une faute antisportive. Nous on a une faute antisportive et on n'a pas les mêmes critères de jugement par rapport à ça. Donc je peux pas dire tiens, ce contact que j'ai vu là en NBA, je vais le siffler de la même façon en Europe. C'est pas pareil. J'ai envie de voir comment, et d'apprendre aussi, comment eux, les Américains, les arbitres américains travaillent, comment ils s'investissent dans leur formation, comment ils diffusent aussi les informations, parce que je suis formateur.
J'ai envie de voir de nouvelles méthodes de travail. Je ne dis pas qu'on a fait le tour en Europe et en France, mais c'est bien d'apprendre de nouvelles choses. Parce que ça m'a toujours motivé de transmettre aux autres. Donc j'ai envie de continuer dans ça et j'ai envie de trouver des nouvelles méthodes de travail pour pouvoir diffuser ça à mes arbitres. Si on me dit après une faute ne cours pas mais marche, bah je le ferai. Si on me dit quand un joueur fait 3 pas ou 3 pas et demi avant de lâcher le ballon pour dribbler, ne siffle pas marcher, bah je le ferai. Par contre, quand je vais rentrer en Europe, il faudra que je reprenne mes bonnes habitudes. Le camp il va démarrer aujourd'hui. On va avoir un rendez-vous à 19h jusqu'à 22h, donc 3 heures de meeting où on va pouvoir découvrir un peu, je pense, les règles, parce qu'on n'a pas de programme pour l'instant. Hein. Donc je suppose, on imagine que comme on a des cultures différentes de basket, on va essayer d'établir un créneau sur lequel on pourra tous s'accorder, à savoir la mécanique, donc les déplacements, et puis les différentes situations en images vues et puis critiquées pour qu'on puisse s'accorder, si on retrouve ces images, comment on va les juger et les siffler. Dès ce soir, on démarre et puis demain matin, 9h30, on va avoir une session de classroom. Donc on va travailler en cours avec tous les collègues. Je pense que là aussi, on fera encore de la vidéo. Et 10h, on doit être sur le terrain. Jusqu'à 17h. Alors c'est particulier parce que c'est des horaires vraiment, je dirais, inhabituels. Généralement, on arbitre, même sur les tournois d'été en Europe, on peut arbitrer l'après-midi puis le soir, alors que là, c'est plutôt le matin et l'après-midi. J'ai hâte parce que ça fait un moment que je sais que je vais venir sur un camp NBA et j'ai toujours pas encore de visu sur ce qui va se passer. Donc j'ai envie de découvrir. J'ai envie de découvrir et puis de voir qui va nous faire les sessions de travail, comment on va aborder les choses. J'ai envie de voir comment ça va se passer. Et surtout, j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses. Donc j'espère que je vais en apprendre. Ce que je sais, c'est qu'on a 4 matchs par jour, donc entre 10h et 17h. Je ne sais pas combien d'arbitres on va être, parce qu'on est 8 invités, mais il y aura des arbitres NBA. Donc je ne sais pas combien ils vont être, qui sont-ils. Je pense que pour eux aussi, c'est peut-être l'occasion d'essayer de grappiller des points pour pouvoir faire partie du haut de tableau. Pendant 3 heures en salle de cours, on était sur de la mécanique. Donc, ce qui était intéressant, c'est que dans la salle de cours, on avait le terrain dessiné. Donc on s'est tous levés, on a quitté nos sièges et on a travaillé les placements, travaillé les attitudes, le regard aussi, très important. Et ensuite, on est revenu sur les clips vidéo où on a essayé de pointer quelques situations sur lesquelles on ne devait pas se tromper et pour qu'on puisse justement intervenir aujourd'hui. Le match était ce qu'on pensait qu'on allait avoir, c'est-à-dire un match très physique avec un peu plus d'adresse que sur le précédent match. Il y a eu beaucoup de contacts, il fallait faire un gros tri. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire. En ce qui me concerne, j'ai essayé de mettre en application ce qu'on a vu hier soir et ce matin, à savoir la mécanique NBA qui est un petit peu plus différente que celle qu'on utilise en Europe. Donc j'avais quand même pas mal de choses en tête. Et puis j'ai essayé d'être le plus à l'aise possible, mais c'était pas évident. Ceci dit, ça s'est relativement bien passé. Voilà, déjà, avant d'y repenser, on va aller dans le vestiaire faire le débriefing vidéo.
On en a pour à peu près une heure. Ensuite, je vais commencer à revoir personnellement le match dans la tête. Et puis, demain, on va enchaîner sur la suite. Et ce sera à moi d'essayer de faire un peu mieux de ce qui a été aujourd'hui. Je ne peux pas dire que c'était naturel parce que c'est pas ma mécanique, c'est pas ce que je fais habituellement. L'arbitrage en Europe, c'est comme une valse aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis un bon danseur en plus, donc je ne pouvais pas vous le montrer, mais une valse, tu la connais, tu sais comment la danser, bah, tu la danses tout le temps de la même façon. Là, j'ai pas été naturel, et j'ai plutôt essayé de penser, de bien me placer, bien regarder. Je me suis trompé 2-3 fois, donc bon, j'essaierai de faire mieux demain, mais c'est sûr que ça prend un peu de temps. Genre. With Milwaukee, and there's a younger Antetokounmpo that some say might be the best of all of them. Which are you? I think you'd love it. There's a couple of arenas around the league. I have my room. Send the tickets up here. He laughs, folks. Anderson drives. Splits wild shot. Count it. And one. That's Anderson. He's, I mean, all free agents are fired up by their new team.